suis éducateur spécialisé sur le projet PISCA. J'ai été coach de sport avec les enfants en situation de handicap intellectuel avec ma collègue Mme Kone Kifon. Et nous avions été cooptés en tant que, en tout cas, des personnes ressources pour accompagner ces enfants. Ce que nous avions, en tout cas, enseigné à nos collègues enseignants, c'est comment est-ce que ces enfants en situation de handicap intellectuel peuvent être pris en charge dans les écoles primaires. Parce que, en tant qu'éducateur spécialisé, j'ai fait des statistiques sur l'année 2018. Au centre d'éducation spécialisée, précisément au centre pilote du complexe socio-éducatif, où sur 20 enfants qui sont passés, quand j'ai fait les recherches, j'ai trouvé qu'il y avait 15 qui n'étaient pas dans une école. Et il reste encore 5. Il y a 3 qui sont dans des écoles primaires privées et les 2 autres. En tout cas, ils étaient sans contact. Donc nous avons insisté à ce que les enseignants du primaire soient présents parce que déjà, le handicap, c'est une charge. Je dirais même que c'est double charge parce que le parent qui a cet enfant, financièrement, physiquement, moralement, il est épuisé. Et encore, peut-être c'est une école privée qui peut l'accepter. Alors qu'on a dit que l'école est inclusive. Il y a un décret pour ça. Pourquoi est-ce que à l'école primaire, on ne peut pas accepter ces enfants? Donc, il fallait sensibiliser les enseignants qui sont là, leur donner en tout cas une connaissance d'abord sur le handicap. Nous avions parlé de la trisomie 21, des troubles du spectre autistique, les IMC. Et leur faire comprendre que, en recevant ces enfants, quel que soit le problème qu'ils ont pour la prise en charge éducative, on peut les référer vers nous pour qu'ensemble, on puisse créer un environnement favorable à l'apprentissage de ces enfants. Donc, durant pendant ces 2 jours, en tout cas, on a parlé de cette prise en charge à travers cette formation. Comment est-ce que d'abord, ils peuvent détecter que tel enfant ou tel enfant a un tel handicap, comment il se manifeste, quelle est peut-être sa réaction, comment il se comporte à la maison, comment il peut se comporter en milieu institutionnel. C'est tout ce qu'on leur a donné comme astuce. Au niveau de la perception, déjà, puisque je vous ai dit tout à l'heure que je suis coach bénévole à Spécial Olympique Côte d'Ivoire, où nous faisons le sport au plan international avec ces enfants. Et pendant le projet PISCA, nous avions fait des activités communautaires sportives, comme le fitness, pour qu'on puisse changer de regard envers ces enfants. Donc à cet atelier, il y a des responsables communautaires, COGES, des présidents de la société civile, ils sont là. Tout ça là, pour qu'ensemble, on puisse conjuguer nos efforts pour pouvoir mieux accompagner ces enfants. Et aujourd'hui, nous n'avions pas touché toutes les écoles d'Abobo. Nous avons pris seulement 3 écoles primaires, une école privée. C'est-à-dire nous avons travaillé avec 3 IEP. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons senti que les directeurs qui sont là aujourd'hui, ils ont été intéressés par la thématique. Et leur réaction nous permet de dire que, en tout cas, on aura des échos favorables en faveur des enfants en situation de handicap intellectuel à Abobo.